Salut, salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. Alors, si c'est votre première fois de venir sur cette chaîne, bienvenue encore une fois de plus. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci également une fois de plus parce que c'est grâce à vous que je fais les vidéos. Alors, sur cette chaîne, on parle business, on parle marketing digital, on parle également du système de crédit aux États-Unis. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou bien pour vos proches qui sont aux États-Unis, partagez cette vidéo afin qu'ils puissent tirer profit de ce système. Moi, je suis Gisèle Fedjo, je vis aux États-Unis et aujourd'hui, je vais vous présenter les deux grandes sociétés qui évaluent votre credit score aux États-Unis. Donc, restez jusqu'à la fin parce que je sais que cette vidéo est très utile pour vous et ça va vous apporter beaucoup. Parce que comprendre ce système, ça vous sauve beaucoup d'argent, ok? Donc, restez connectés jusqu'à la fin, c'était tout. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous allons parler des deux grandes sociétés américaines qui sont chargées d'évaluer votre crédit dans le système financier américain. Donc, ces deux sociétés sont FICO-Score et VantageScore. Ce sont ces deux grandes sociétés qui se chargent de vous évaluer et de voir si vous êtes une personne à risque ou pas. Parce que les banques vont, quand vous appliquez pour les cartes de crédit ou bien quand vous demandez les prêts bancaires, les banques vont se retourner vers eux, vers leur système, pour voir si vous êtes une personne à qui on peut faire confiance. Si vous êtes une personne à risque ou bien ou pas, c'est en fonction de leur rapport que la banque va regarder et juger et voir si on peut vous faire confiance ou on ne peut pas vous faire confiance. Donc, comme je l'ai dit, le crédit, c'est pas seulement les cartes de crédit. Ça peut être peut-être vous voulez payer une maison, vous voulez payer une voiture, vous voulez payer une assurance. En fait, tout ce que vous voulez payer, ça se repose sur ces deux crédits scores-là. Mais cependant, FICO score est plus important que VantageScore. Ok, donc vous devez avoir un bon FICO score. Et puisque les deux sont simultanés, c'est presque les mêmes choses, juste avec les petites différences, mais les banques regardent beaucoup plus FICO score. Alors, où trouver votre FICO score? Où regarder votre FICO score? Vous avez les applications des banques dans vos téléphones et vous pouvez voir votre FICO score à partir de là-bas. Et il y a également les sites où vous pouvez aller regarder votre FICO score et votre VantageScore. Par exemple, vous avez creditkarma.com où vous pouvez regarder gratuitement votre VantageScore avec Equifax, avec TransUnion également. Et vous pouvez également regarder votre FICO score gratuitement avec Experian dans le site internet experian.com. Mais c'est bien d'avoir, bon, si vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez d'abord commencer par les applications gratuites comme ça pour vérifier votre credit score. Mais si vous voulez vraiment avoir tout sur place, au même endroit, il y a les applications payantes telles que myequifax.com. Et là-bas, là, vous payez 19$, quelque chose, presque 20$ chaque mois et vous avez tout au même moment. C'est-à-dire que vous avez les trois bureaux crédit au même endroit et vous pouvez vérifier votre crédit au même endroit. Vous avez également myficoscore.com que vous pouvez payer également à $29.29.99 par mois, chaque mois, et vous avez vos informations sur place. C'est-à-dire que quand vous allez dans myfico.com, vous avez tout au même endroit. Vous avez votre TransUnion, vous avez votre Equifax, vous avez votre expérience au même endroit et c'est très facile à gérer et c'est très facile à contrôler parce que retenez que à chaque fois quand vous voulez appliquer quelque chose, il faut regarder votre credit score parce que il faut au minimum 720. 720 c'est bien. Vous êtes sûr que si c'est n'importe comment, on va vous accorder. Mais comme je le dis toujours, c'est pas le seul critère pour approuver quelque chose, ok? Mais c'est déjà quand même la base, Et vous avez aussi identity.com qui peut aussi être bien pour vous. Ça aussi c'est une application qui est payante, $29.99 chaque mois et ça vous update tout chaque fois quand il y a une en tout cas quand vous avez ça. Vous êtes alerté à chaque fois quand quelque chose se passe dans l'un des bureaux, ça vous signale directement, ok? Donc, étant donné que les bureaux crédits là, toutes les informations puisque ce sont pas les mêmes informations identiques, donc vous devez vraiment contrôler pour voir
comment ça se passe. Parce que parfois, eux aussi, ils sont paresseux, ils ne font pas les choses normalement. Et donc, si vous n'êtes pas là pour contrôler, vous allez parfois être surpris de voir certaines choses sur votre profil que vous ne reconnaissez même pas. Donc, c'est là où il est très important de regarder, d'avoir le contrôle sur votre crédit. Okay? Donc, peut-être je mettrai les liens de ces bureaux-là ici en description de cette vidéo pour que vous puissiez regarder si ça vous intéresse. Mais je suis sûr que ça va vous intéresser parce que c'est important pour vous. Même si vous n'êtes pas dans le business, il est important de prendre votre crédit en main pour ne pas être esclave parce que ce système, quand vous ne comprenez pas, vous allez être esclave de ça à vie. Okay? Sur ce, on va se quitter et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. Bye bye.